Dieu vous bénisse. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Makila nankolo Yesu. Voyez comment.
assurance. Yeah.
le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes particulièrement reconnaissants au Seigneur. Lui qui a permis que cette réunion puisse être organisée et puisse se tenir. Jusque tard dans la nuit, on avait beaucoup d'inquiétudes. Puisque le travail était vraiment difficile à faire ici. Nous remercions le Seigneur pour tous nos jeunes frères qui se portent comme volontaires puisqu'ils n'ont pas été désignés par les assemblées. Mais ils ont à cœur de servir le Seigneur de cette manière-là. Vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ces frères. Et pour tous ceux qui contribuent pour la réalisation de ces réunions. Que le Seigneur vous bénisse tous. Il est déjà 10 heures passées. Donc nous allons vite commencer notre réunion. Nous voulons que tout le monde se sente à l'aise. C'est une réunion, une journée que nous avons consacrée au Seigneur. Donc soyons à l'aise. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 133, où il est écrit à partir du premier verset. Voici, ô qu'il est doux, Tala ete ezali malamu, qu'il est, excusez-moi, voici, ô qu'il est agréable, Tala ete ezali ya malamu, qu'il est doux pour le frère de demeurer ensemble, ezape kitoko po na bandeko kofande sika moko. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, ezali kola mafuta na motu ya masopani na motu, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans une autre version plus complète, je pense, il est écrit qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble unis. Alléluia. Lorsqu'ils demeurent ensemble unis, tango bajaye longo pe bomoko, c'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, eza lokola mafuta na motu ya mayi masopani na moto, descend sur la barbe, mako kitana mandefu, sur la barbe d'Aaron, mandefu na alona, qui descend sur les bords de ses vêtements. Mafuta ko kita kino na songi na bilamba na ye, c'est comme la rosée de l'Hermon, eza lokola mamwe na Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Oye ko kitana bangomba na Siona. Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Kwete wana ndekola kotinda lipamboli na ye. La vie pour l'éternité. Bomo ipona seko na seko. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix ensemble. Elongo tokoneto la mingongo na biso. Nous allons chanter un cœur. Tokoyemba njembo na lisanga. Et nous allons prier pour recommander toute cette journée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui-même, pour qui nous sommes réunis ce matin, puisse répandre sa grâce et sa bénédiction. Qu'il puisse nous donner la parole en abondance.
Que cette parole puisse toucher nos cœurs. Que la parole de Dieu puisse opérer une véritable délivrance. Lilo balanjambe esala bokangola mina solo kati na libota na ye. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Notre Père, qui d'autre avons-nous au ciel? Qui avons-nous sur cette terre, Seigneur? Une fois de plus, je viens auprès de toi, femme malade. Seigneur, toi qui es digne de gloire, de miséricorde, Dieu de grande compassion, nous te remercions. Notre Père bien-aimé, nous te rendons grâce. Nous voulons te glorifier, afin d'écouter ta parole, Seigneur. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Tu te manifestes au milieu de ton peuple. Seigneur, de ce matin, Seigneur, que tu te révèles comme mon esprit, le toutes choses, qu'elles soient soumises Dieu tout-puissant, qu'elles soient soumises à le toi. Seul soutien toi, le seul vrai Dieu, le maître de tout. Seigneur, tout celui qui est venu ce matin, éternité, Dieu, tu es celui qui dit moi la chose s'accomplit. Seigneur, tu nous changes. Celui-là, Seigneur, merci pour cette journée. A besoin Seigneur, du soutien qui vient de toi. Ma prière, révèle-toi, Seigneur, que tu la bénisses, oh Dieu, Seigneur, que et visite-nous ce matin. Afin que tout ce par que la se puissance de ta soit parole, fait pour la gloire Seigneur, de ton seul nom. Et par la pour puissance homme, Seigneur, de ton esprit. Pour ça, Seigneur, donne-nous-en des capacités oh Dieu, afin que ce temps soit agréable, afin que ce temps soit bénéfique pour moi, Seigneur, notre Dieu. Étant arrivé au temps de la fin, autant au moment où tout est difficile, gloire te soit rendue. C'est une célébration. Nous célébrons la victoire, Seigneur, de la grâce. Seigneur, tu es la même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, parce que tu te rappelles de ta parole, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, et que tu avais dit que pour l'amour de Sion, je ne m'aiderai pas, je ne me donnerai pas du repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore. Gloire te soit rendue, Seigneur. Pour ce temps merveilleux, gloire te soit rendue pour le don de foi, gloire te soit rendue pour le don des hommes, parce que les hommes ont été donnés d'agir comme, oui, Seigneur notre Dieu, pour l'édification de ton Église. Seigneur, elle sera édifiée, elle l'est encore et continuera à l'être, parce que toi, tu as pourvu, Seigneur, parce que tu as donné des gens, Seigneur, des hommes, des dons, afin, Seigneur notre Dieu, que ta parole soit portée et que tu as disposé aussi des cœurs pour recevoir cette parole, pour la croire et pour la mettre en pratique. Gloire te soit rendue. Ainsi, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, il pourra trouver de la foi. Parce que toi, tu veilles comme à la prunelle de tes yeux. Sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois glorifié. Donne-moi la paix du cœur, Seigneur notre Dieu. Sanctifie-moi par ta vérité, car ta parole est vérité. Je te recommande toutes choses, Seigneur. Toi qui commences merci, avec nous. Seigneur. Merci de cheminer. Merci de terminer aussi avec nous. En Seigneur. Qui nous avons placé notre confiance. Dans le nom de Dieu. Qui est ce Dieu-là, Seigneur, sur qui nous nous appuyons. Même dans la période grande détresse, Seigneur.
Dieu, Seigneur. Nous pouvons compter sur toi avec assurance. Merci, Seigneur de gloire. Merci, notre Père. Que gloire et honneur puissent te revenir dans tous les siècles des siècles. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Que gloire et honneur puissent te revenir. Merci de ce que tu es ce Dieu-là. C'est Dieu en qui nous pouvons croire. Celui en qui nous pouvons placer toute notre confiance, Seigneur. Même dans une période de grande détresse, tu es une présence qui ne fait jamais de faux. Merci, Seigneur, pour ta présence en ces lieux ce matin. Merci, Seigneur. Merci. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons. Nous allons commencer directement notre réunion. Comme la fois passée, vous savez, il y a des frères qui sont, nombreux frères qui sont venus de l'intérieur du pays. Certains parmi eux, vous les avez entendus. D'ailleurs, ils prêchent sur toute la ville. Mais ce matin, nous voulons inviter le frère Faustin de Sandoa. S'il est là, qu'il vienne pour saluer l'église. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nzambi ya pambola bino na tongo oyo. Oui, nous saluons chacun dans le saint nom de Jésus-Christ. Topesi moko na moko mbote na kombo ya bule ya Jésus-Christ. Et par la même occasion, nous vous transmettons de nombreuses salutations. Na libaku moko moko oyo topesi bino ba mbote mingi de vos frères et sœurs de Sandoa. Abande kona bino basi mibali ya Sandoa. Ils vous ont salué dans le saint nom de Jésus-Christ. Bapesi bino mbote na kombo ya bule ya Jésus-Christ. Nous avons été au Bas-Congo. Tozalaki na Bas-Congo. Et nous avons été chargés de nombreuses salutations. Una bapesaki biso pe ba mbote embele. Des frères et sœurs de Mwanda. Bande ko basi mibali ya Mwanda. Des frères et sœurs de Nsioni. Bande ko mibali basi ya Nsioni. Et des frères et sœurs de Matadi. Bande ko basi mibali ya Matadi. Tous, ils vous ont salué dans le saint nom de Jésus-Christ. Banso bapesi bino mbote na kombo ya bule ya Jésus-Christ. Que Dieu soit remercié pour cette réunion. Nzambi azwa matondi na tina na liyanga ni oyo. Et je crois que l'écriture nous a été
été lu. C'est une écriture du moment. C'est une écriture incontournable. Parce que nous sommes un peuple dans l'attente du retour du Seigneur. Et nous nous attendons à ce que bientôt là, Dieu puisse achever avec nous. Mais nous devons comprendre une chose. Que la dernière action puissante de Dieu ne va pas ou ne sera pas expérimentée par nous. Si déjà maintenant nous sommes divisés, si déjà maintenant nous sommes séparés, si déjà maintenant nous sommes éloignés les uns des autres, c'est pourquoi nous voulons mettre l'accent sur l'unité. Nous voulons mettre l'accent sur le même langage que les hommes de Dieu doivent avoir, parce que l'unité demeure aussi l'une des conditions pour que Dieu puisse achever avec nous. C'est très très important, mes frères bien-aimés. C'est pourquoi si nous revenons à l'écriture qui nous a été lue, dans Psaume 133, nous lisons ceci. Voici, oh, qu'il est agréable Talani, oh, et, poussi kitoko, et qu'il est doux et poussi bon polo, pour des frères de demeurer ensemble. Pour la bande ko, ba umela elongo. Mes bien-aimés frères et sœurs, balinga minangai bande ko mibali basi, demeurer ensemble est lié à la doctrine. Ko umela elongo etingami na lakisi. Nous tous qui avons été appelés, biso banso to biangamaki, nous tous qui avons cru, biso banso tondimi, nous tous qui avons été sauvés, biso banso. Ça, c'est notre invitation ce matin. Nous devons demeurer dans la même parole. Nous devons rester dans la même doctrine. C'est comme nous le voyons dans l'église primitive. Oh, comme vous le savez, dans le plan de Dieu, il veut que l'église à la fin soit comme l'église au commencement. Nous devons expérimenter le même résultat. Nous devons vivre la même communion qu'au début. Nous devons vraiment pratiquer la même chose qu'au début. Voir la même chose qu'au début. Et vivre le vrai amour sans hypocrisie comme au début. Nous lisons cela dans Actes des Apôtres. Regardez au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Depuis le verset 42e. Nous pouvons commencer au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le croyant bandimi persévéré. Bazalaki kotia molendi. Ils étaient assemblés. Ba yanganaki. L'union ici. Bomoko awa. Ce n'est pas sous un bâtiment. Ezalite na sena ndako moko. Mais l'union doit être dans la doctrine. Bomoko esengeza la katina lilongi. Et dans le même esprit. Molimo moko. Regardez ceux qui avaient cru. Yaba oyo bandimi laki. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bazalaki kotia molende katina lilaki si bantoma. Et dans la communion fraternelle. Na bomoko ya bandeko. Dans la fraction de pain et dans les prières. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a visités dans cette génération en nous envoyant un prophète qui nous retourne à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et aujourd'hui, laissons encore souligner cette chose. Éphésiens chapitre 4. Là où il est parlé des différents ministères, ne peut être expérimenté, s'exercer qu'en rapport avec Matthieu 24, 45.
C'est pour que nous arrivions à donner au peuple de Dieu l'enseignement apostolique qui occasionnera l'unité, qui occasionnera la communion. Nous ne devons pas travailler dans un ordre dispersé. Mais Éphésiens 4 travaille sous le programme de Matthieu 24:45. Si tout le monde, les hommes de Dieu, nous pouvons puiser à la même source, alors nous donnerons partout le même enseignement. Et c'est ce qui va occasionner l'unité des croyants. Et vous remarquerez les jours de Pentecôte. Ils étaient d'un commun accord. Ils ne se querellaient pas. Ils ne se disputaient pas. D'un commun accord. Les gens qui avaient reçu premièrement la parole, mais qui attendaient maintenant la puissance et la force du Saint-Esprit, les a trouvés étant unis. Mes frères, c'est l'une des conditions de l'achèvement. Déjà maintenant, nous devons vivre la véritable communion. Dans Psaume 133, j'ai parlé de la tête d'Aaron en tant que souverain sacrificateur, la tête qui était ointe. Mais dans le Nouveau Testament, Christ est le souverain sacrificateur. Christ est la tête du corps de l'Église. Lui, en tant que la tête ointe, toi et moi, en tant que le corps ointe. Mais bien aimé, c'est ainsi que nous devons travailler. Je vous lis la dernière écriture. Nous n'allons pas tolérer un homme qui veut faire son groupe, qui veut tirer des disciples derrière lui. Non, mais bien aimé, frères, nous devons tous être unis sous une seule tête. Et cette tête, ce n'est pas un prédicateur. Cette tête, ce n'est pas un roi de France. Cette tête, c'est Jésus-Christ. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1er. Regardez mes bien-aimés. Colossiens chapitre 1er. Depuis le verset 15, on nous dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes choses. Ils sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il demeure le seul chef auquel tous nous devons être attachés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous lis cette écriture. Oui, c'est Colossiens 2, verset 18. Oui, je termine par là, oui. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Comprenez qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Mais nous devons être attachés au chef, dont tout le corps assisté, oui, en tant que corps de Christ.
Nous avons besoin de son assistance. En tous les corps assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens, dire l'accroissement que Dieu donne. Dire l'accroissement que Dieu donne. Que Dieu nous donne à être unis. Et que Dieu nous donne la croissance. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre frère Faustin. Il vient de Sandoa. C'est vraiment vers le sud là. C'est le sud ou le nord? C'est le sud. C'est au canton du sud. Et là, il est connecté à l'Esprit du Seigneur. Lui étant là-bas, nous avons un autre frère Faustin ici qui vient lui de l'Équateur. Mais ils parlent tous le même langage. La même doctrine, la même espérance. Que quelqu'un maintenant décide de se retirer de cette communion divine. Que va-t-il prêcher? À côté à Nini. Nous allons recevoir encore les salutations de notre frère Sylvestre Capulo. Il est là. Yande konabiso Capulo. C'est quelqu'un. Frère Lubuma, venez. Mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content de participer à cette réunion que moi je qualifie biblique selon l'écriture que mon frère avait lue. Dans Acte, chapitre 1, chapitre 2, il est écrit, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Amen. Amen. Ce matin, cette écriture est en train de s'accomplir. Et cela nous montre que Jésus vient bientôt. Ce qui était au commencement, c'est ce qui doit se passer à la fin. Et l'écriture qu'on nous a lu dans Psaume 133, là mon frère a insisté sur l'unité. Et il est vrai que pour être dans cette unité, nous devons avoir un même langage. Et c'est pourquoi la Bible insiste même dans ce sens-là, même au temps apostolique, on mettait en garde,
On mettait en garde les enfants de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 10. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Et voyez pourquoi il exhortait comme ça. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Cela ne doit pas être parmi nous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollo, et moi de Séphore. Et ce langage ne doit pas être parmi ceux qui sont appelés à la rencontre de Christ. Pourquoi ici, awa, chaque frère, chaque sœur doit mettre le nom de celui qui le prêche? Pourquoi nous venons des assemblées différentes? Nous n'appartenons pas à ces assemblées-là. Nous appartenons à Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est pourquoi celui qui avait, ceux qui parlaient correctement, celui qui disait, moi de Christ, et Christ n'est pas divisé. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous montrons que nous dépassons les hommes et nous voulons seulement rien que la parole de Dieu. L'unité des langages. On peut avoir un même langage, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et cela est exprimé dans Genèse, chapitre 11. Ils avaient un même langage. Mais ce qu'ils voulaient faire, c'était en dehors de la volonté de Dieu. S'ils voulaient atteindre le ciel, en construisant une tour, cela ne pouvait pas marcher avec Dieu. Dieu les a confondus. Et aujourd'hui, si vous voulez un langage, on peut avoir un même langage, mais ayant des objectifs en dehors de la parole de Dieu. Que le Seigneur s'occupe de ces groupes-là, afin que le groupe qui attend la venue du Christ et seulement un langage commentant de Pentecôte. Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre, il s'est levé, car sans l'Esprit de Dieu, l'unité est impossible. Quand là, Dieu les avait confondus. Dans Genèse 11, puisque dans Genèse 6, il est dit, mon esprit ne demeurera plus avec vous. Mais quand Christ est venu, dans l'homme Jésus, l'Esprit de Dieu a habité. Regardez cet homme. Quand il ouvrait la bouche, c'était les Écritures, le langage de Dieu, le langage biblique. C'est pourquoi quand Pierre s'est élevé, lui aussi il a utilisé le langage de Dieu en expliquant ce qui s'est passé, comme a dit Joël, comme a dit David. Et le Seigneur ne peut ouvrir nos cœurs
si le langage est biblique, si ce n'est pas biblique, cela ne touchera pas nos cœurs. C'est pourquoi au jour de Pentecôte, Pierre, après avoir présenté la parole, ils eurent le cœur vivement touché. Même ce matin, que la parole qui sera prêchée soit en accord avec la Bible, afin que le Seigneur ouvre nos cœurs comme il avait ouvert à Lydie, comme il avait ouvert à ceux qui étaient à Éphèse. Nous vivons les mêmes moments et nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À cause de ça, on l'a dit, quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Pourquoi quelqu'un est anathème quand il présente les choses qui ne sont pas bibliques? Et cela n'est pas profitable au peuple de Dieu. Chaque enseignement doit revenir aux Écritures. Paul, qui ne s'était pas vu avec les apôtres, ce qu'il a prêché, quand il est monté présenter à ceux qui l'avaient précédé, ils lui ont donné la main d'association. Car la même parole que prêchait Pierre, que prêchait les autres, c'est la même parole que Paul a prêchée. C'est pourquoi même ce matin, le même esprit conduisait ces hommes de Dieu. Il parle des langages qui fera que et la pratique doit être la même partout. Et cela amènera la vie de Christ parmi nous. Et nous dirons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur bénisse notre frère Kapulo. Le frère Kapulo vient de Kolwezi. Ndeko Kapulo auti na Kolwezi. Il était avec nous à la convention à Kikwit. Azaki elongo na biso na convention à Kikwit. Et tous ses frères sont restés. Pe bande konyoso batikalaki. Pour pouvoir communier avec nous. Pona koyanga elongo na biso. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur puisque leur présence au milieu de nous nous a aussi apporté beaucoup de bénédictions. Amen. Et même les biso mapambo lipe mingi. Je pensais qu'on pouvait chanter un cantique nakasete wako embanzembo moko avant de continuer à écouter la parole. Liboso ya kokoba koka iloba. Mais nous aurons vraiment un temps pour écouter et pour chanter. Kasi tokozwa tango solo pona koyemba. Pour chanter et pour adorer le Seigneur. Pona koyemba pe kokumba melankolo. C'est notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nzambe na biso nde azali mokonzi na tango pe na makambo. Des fois nous regardons à nos montres. Tango mususu totalaka na basana na biso. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Yango eko sala nini awa? Ici nous sommes dans le programme de Dieu. Awa tozali kati na mwango ya Nzambe moko. Pour conduire cette réunion. Bona kotambusa liyangani oyo. Je vais lire une écriture. Nakotanga likomi moko. C'est dans les livres de Jean. Ezala kati na mukanda na Yohani. Jean chapitre 17. Yohani zomi na sambo. C'est ça l'écriture qui est sur notre invitation. Yangonde likomi lizali likolo na mbela na biso. Pourquoi je veux lire cette écriture? Nakotanga likomi opona nini? Elle n'est pas différente de Psaume 133. Et que ce n'était njembo kama na tukumisato na misato. Ici, il y a une spécificité. Kasi awa ba kolobelelo ko moko makasi. Le verset 22. Nzela tukumi bale na mibale. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Na pesa ki bangon kembo oyo pesa ki ngai. Afin qu'ils soient un. Kuite baza la moko. Comme nous sommes un. Pela ngai na yo tozali moko. Moi en eux, ngai kati na bango, et toi en moi, pe yo kati na ngai, afin qu'ils soient parfaitement un. Pwete baza la solo moko.
Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés. Comme tu m'as aimé. C'est ça l'unique condition. Pour que tout ce qui était en Christ puisse être retrouvé parmi les croyants, c'est lorsqu'ils seront parfaitement un. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu avec notre frère Katalai. J'invite mon frère qu'il vienne pour nous aider à comprendre en Lingala. Kosali sabiso kososo na Lingala. Moi aussi, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. J'ai les salutations de frère Delikasi. De Matadi, on vous l'avait déjà transmis. Mais de Pointe Noire de Brazzaville, ils vous ont tous salué dans le nom du Seigneur. C'est encore une joie pour moi d'être ici. On nous a lu une très belle écriture dans Psaume 133. C'est vraiment une écriture d'actualité. Mais avant que j'en arrive là, comme j'ai à peu près 35 minutes, je voudrais lire une citation de Frère Branham dans la prédication de 1954, les actes du Saint-Esprit. Parce qu'il y a cette situation du nouveau pape qui a été élu. C'est cette citation que Frère Franck a repris dans la petite brochure Information Globale. Ça a soulevé un peu de questions et d'inquiétudes. Il y en a ceux qui demandent, mais comme c'est le pape américain, est-ce que c'est vraiment... C'est la fin. Je disais à un frère à Brazzaville. Mais alors, si c'est un pape américain, comme vous pensez, nous sommes alors à la fin, le Seigneur vient bientôt. Pourquoi ça vous inquiète encore? Vous ne voulez pas encore aller au ciel? Au contraire, vous devriez remercier le Seigneur. Les choses de Dieu arrivent au temps de Dieu. Dans le paragraphe 87, Frère Branham dit ceci. Je pense que l'un de ces glorieux jours, j'aime que vous écoutiez bien la déclaration. Quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté,
ou n'importe quoi se rassembleront. Ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Cela formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour tous les croyants. Et les libres penseurs. Et les gens à l'esprit superficiel. Seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Amen. Pour ne pas vous troubler. Vous remarquerez que l'homme de Dieu dit, selon la prophétie, ce qui se fera premièrement, ça ne sera pas l'élection du pape américain. Ça sera d'abord le rassemblement des confédérations des églises. De deux, en même temps, on va élire le pape américain des États-Unis. C'est comme ça que c'est écrit. Outo États-Unis l'Amérique, bongo ne yalobe laki. Si vous le croyez, dites amen. Et alors, on formera une image à la bête. Et je vous assure, en ce temps-là, la véritable Église de Dieu va se rassembler. Vous remarquerez, bien-aimés frères et sœurs, qu'une prophétie a une force de loi. Ce que Dieu dit par l'insi dit le Seigneur doit s'accomplir. L'Écriture dit dans le livre d'Habakkuk, oui. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk mokaponami balé. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit, verset 2. Molongo na yambo, molongo na mibalé, nkola talisa ki maloba na epai na ngai palo. Bakiete. Écris la prophétie. Koma lisakoli. Grave-la sur des tables. Nguluta yango likolo na ba mesa. Afin qu'on la lise couramment. Poete batanga yango ntango nyonso. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si ce que le Seigneur a dit dans la bouche de Phébanam, au sujet du pape américain des États-Unis, si ça tarde, la Bible dit, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Solo, solo. Vous vous rappelez pourquoi je termine ceci? Dans sa vie, une fois, Dieu avait dit à Phébanam, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Joseph. Mais quand sa femme met au monde, elle met au monde une fille. Les gens commençaient à dire à Phébanam, où tu n'avais pas bien compris. On peut même lui donner le nom de Joséphine. Phébanam dit non. Le Seigneur m'a dit ça sera un fils. Comme c'est une prophétie, je l'attends. Elle s'accomplira certainement. Par la suite, alors il y eut un fils qu'on donna le nom de Joseph. Nous croyons de tout notre cœur que le dernier pape qui viendra en même temps avec le boycott, il sera des États-Unis comme la prophétie l'a dit. Alors apaisez vos cœurs, affermissez vos cœurs, le retour du Seigneur est proche. Je voudrais maintenant retourner dans l'écriture des psaumes 133. Là, il y a quelque chose de très très important. Les frères ont déjà touché ça. La Bible dit,
Voici, oh, qu'il est agréable. Tala, oh, Ezali malamu. Il est doux. Ezali bompolo. Pour des frères de demeurer ensemble unis. Bona bandeko ba umela na bomoko elongo. C'est comme l'huile précieuse. Ezali lokola mafuta na ntalo. Qui répandue sur la terre. Mai masopanye na moto. Descend sur la barbe. Makiti na mandefo. Sur la barbe d'Aaron. Na mandefo na alona. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Yame kiti likona bilamba na ye. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. C'est là aussi il envoie la vie pour l'éternité. Disons amen tous à cette parole. Remarquez bien mes frères. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, verset 15e, je crois, vous verrez qu'avant que les gerbes soient agitées, il fallait que cette gerbe soit nattée. Dans une des prédications, Frank dit, il dit cette gerbe était nattée. Regardez un peu ici comment il faisait. Il montrait que ça devrait s'entrer les unes et les autres. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous voyez que pour que la gerbe soit agitée, pour que l'onction vienne, il fallait que la gerbe soit unie ensemble. C'est pourquoi dans Acte 2, verset 1, dans la chambre haute, il est écrit, et comment tous ensemble étaient dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte. Je pense que nous tous nous désirons la Pentecôte. Si vous le désirez, dites amen. Mais le jour-là de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est alors que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il a rempli toute la maison où ils étaient alors assis. Bien aimé dans le Seigneur, que ce soit dans Psaume 133, que ce soit dans Actes chapitre 2, que ce soit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que Frère Kapulo lit, il est écrit, je vous exhorte frère, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous. Là, vous devez bien comprendre. Vous pouvez tous être dans le même lieu. Si vous n'avez pas le même langage de l'écriture, si vous n'avez pas le même esprit du Seigneur, vous êtes en division bien que vous soyez dans l'état. L'unité dont il est question maintenant n'est pas les réunions des églises, mais c'est l'unité de la parole et de l'esprit. Voilà pourquoi il dit, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur, à tenir tous un même langage, à ne plus avoir de division, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Pouvons-nous dire amen à ça?
Il est question de l'unité de l'esprit. Paul écrit encore aux Philippiens. Paul a le bilan sur les Philippi. Chapitre 2. Nan mokapo na mibale. Je crois encore le verset 1. Na liki kunapelo kola molongo na yambo. Une parole très importante. Il loba moko na tina koleka elobiete. Oui. Tala. Philippiens chapitre 2. Bah Philippe mokapo na mibale. Si donc il y a quelques consolations. Soke zana libondi moko. En Christ. Katina Christo. S'il y a quelques soulagements. Soki bolongoli kilo moko ezali. Dans la charité. Katina bolingo. S'il y a quelques unions de soi. Soki bo moko moko na molimo ezali. Là l'accent doit être bien mis là. Kune sengeli sete beta mesika wana. S'il y a quelques unions d'esprit. Soki bo moko na molimo ezali. S'il y a quelques compassions. Soki bo sangani na mabozali. S'il y a quelques miséricordes. Soki bo sawa bozali. Rendez ma joie parfaite. Boko misesengo na ngai ebonga be. Ayant un même sentiment. Bozala na mabongisi na motemo be moko. Un même amour. Bolingo be moko. Une même âme. Elimo be moko. Et une même pensée. Pelikaniso be moko. À cette exigence, bien-aimé, ce n'est pas à nous de faire ça. Ce n'est pas à nous de fabriquer ça. C'est à nous de nous abandonner entre les mains de Dieu. Par la parole na liloba, et par l'esprit, na molimo, nous aurons le même union d'esprit na molimo, qui t'amène. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous retournons dans Jean 17 où mon frère a brossé un peu. Il y a une chose que nous devons vraiment retenir. Chaque fois que Dieu donne une ordonnance à son peuple, l'ennemi n'a toujours pas manqué d'interpréter ça. L'ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'était pas donné à l'Église catholique. Cela a été donné aux saints apôtres du Seigneur. Mais c'est quand l'Église catholique a pris cet ordre, il n'avait pas compris par la révélation, il a même déformé la pensée du Seigneur. Comme il a déformé ça, c'est ainsi qu'il fait encore aujourd'hui et pour la paix et pour l'unité. Ce n'est pas aux églises qui a été donné l'ordre de s'unir. D'abord dans Jean 17, le verset 9, il était dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie point pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Zambi bazali à yo. Dites un grand amen. Bolo baïza la bongo. Voyez-vous bien aimé. Bon, dimi, bandi, bandi, ce n'est pas au monde que le Seigneur a prié pour l'unité. Ce n'est pas pour les églises du monde. Que le Seigneur a prié pour l'unité. Elles peuvent s'assembler. Elles ne peuvent pas s'unir. Parce que dans l'unité, le Seigneur a dit, comme moi et le Père, nous sommes un. L'homme et la femme ne sont pas un. Ils sont unis. Mais Christ et Dieu, ils sont un. Ils sont tellement un que Christ a dit, et Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais aucun homme ne peut pas dire, celui qui m'a vu a vu ma femme. Non, la femme est une unité entière à part. Ils sont unis par la loi du mariage. Mais Christ, Christo, et Dieu, ils sont unis par la même subsistance. C'est pourquoi le monde ne peut pas parvenir à cette unité. Il est question de l'unité de la subsistance. Vous allez bien suivre le texte. Il dit au verset 8, Père, je l'ai redonné les paroles que tu m'as données.
Non seulement je les ai donnés, kaka na pesa bango yangote, et aussi bango pelokola, ils les ont reçus. Bayamba maloba mango. Voyez-vous les critères de l'unité? Bon, moni penda boni boni momo kezali ko salema. Si vous le croyez, dites amen. Ceux qui boni yango boloba amen. Il faut d'abord que Dieu donne ses paroles. Nzambe asengeli yambo ko pesa maloba na ye. Et le peuple a uni. Beli botali elisengeli ko sangisama. Doivent recevoir cette parole. Libotali yango lisengeli ko yamal maloba na ye. Quelle dénomination? Kasimangomba. Quel groupe? Et qui a reçu les paroles du Seigneur et qui les a reçus comme ils ne les ont pas reçus, alors l'unité n'est pas pour eux. C'est pourquoi verset 9, le Seigneur dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Ne fût-ce que par ce verset. Ça, ce n'était qu'une prière. Comme étant la prière du Seigneur. En tant que souverain sacrificateur. Vous vous rappelez. Lors de la mort de Lazare. Quand le Seigneur adressait la parole au Père. Il a dit, Père. Je sais que tu m'exauces toujours. Amen. L'a exaucé en ce temps-là et qu'il a prié aussi pour l'unité, Dieu l'exaucera. Je sais que tu m'exauces toujours. Remarquez au verset 11, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom Batela na kombo na yo ce que tu m'as donné. Bayeyo pesa ngai. Vous devriez dire un grand amen. Amen. Il a prié, il dit, Père Saint. Abonde la bete tata mo santo. Je veux me séparer avec eux. Na lingu ka bwana bango. Je ne suis pas dans le monde. Na zakat na mokilité. Mais ils sont dans le monde. Kasi bango bazakat na mokili. Garde-les. Batela bango. En ton nom. Na kombo na yo ce que tu m'as donné. Bayeyo pesa ngai. Verset, la dernière partie du verset, afin qu'il soit un comme nous. Qui t'amène? Verset 14, je leur ai donné ta parole. Na pesa bango lilobali ayo. Et le monde les a haïs. Bemokili e yina bango. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Mokilité. Comme moi-même, je ne suis pas du monde. Verset 17. Zomina sambo. Sanctifie-les par ta vérité. Na solo na yo. Ta parole est la vérité. Solo. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Yo, na je les ai aussi envoyés dans le monde. Moi-même, moko, je me sanctifie pour eux. Komibuli, sapona bango, afin qu'eux aussi wete bango pelokola, soient sanctifiés par la vérité. Amen, amen. Babuli sama na solo. Vous qui avez reçu la vérité, bino ba yamba solo, soyez sûr que vous avez été sanctifiés. Boza la retingete babuli sama. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ezaka kobe pona bango tende na bondeli. Mais encore. Kasi pelokola. Pour ceux qui croiraient en moi. Pona baye bakondi melangai. Par leur enseignement. Malité na bango. Verset 21. Tukumbale na moko. Il arrive quelque chose de très très important. Iloko mo na tira makaseye. Afin que tous soient un. Po ete banso bazala moko. Que voulais-je dire à ce sujet? Nani ko banina ikambo. Quand il est question de l'unité, bomoko, ne voyez pas seulement un groupe ici, un groupe là-bas qui s'unissent. Voyez que l'église du Seigneur est unique. Dans votre unité là, voyez-le Paul. Voyez-le Pierre. Voyez-le Jacques. Donc, si tu ne crois pas comme eux, ceux qui ont dit matelo kola bango, tu n'as pas cette unité. Ozana bomoko yangote.
Ça c'est très très important. Voilà pourquoi bien aimé, il est écrit, et comment il était, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leur parole. Rendez-vous compte bien aimé, il y a de cela 2013 ans que les apôtres ont posé le fondement de la foi, et maintenant la question est, et ce sont ces apôtres qui doivent nous imiter, ou c'est nous qui devions imiter ces apôtres? Oui, c'est nous qui devions les imiter. Jean écrit, gardez les doigts sur Jean 17, notre texte habituel, notre texte de base. 1 Jean, chapitre 1, il dit ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Mais écoutez le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils. Dites amen. Amen. Les apôtres voulaient nous communiquer ce qu'ils avaient entendu. C'est pourquoi chez les Corinthiens, Paul écrit, il dit, je vous ai enseigné toutes ces choses comme je l'ai aussi reçu. L'évangile doit rester originel. Jean 17, au verset 21 maintenant, afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que nous soyons un, comme nous sommes un. Quelqu'un qui n'a pas reçu la parole, quelqu'un qui n'a pas reçu cette gloire, soit la présence de l'Esprit de Dieu en lui, soit la présence de l'Esprit de Dieu en lui, il ne fait pas partie de cette unité. Moi-même, toi en moi, afin qu'il soit parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, tata, je veux que là où je suis, na ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Comme le Père Lokola a aimé le Seigneur avant la fondation du monde, et même nous aussi, Lokola, il nous a aimé avant la fondation du monde. Père juste, tata, voilà pourquoi, bien aimé frère et soeur, l'unité est l'unité de la parole et de l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est écrit ceci, verset 13, car comme le corps est un et a plusieurs membres, voilà pourquoi dans Psaume 133 il est dit, l'huile était répandue sur la tête d'Aaron et elle descendait maintenant vers la barre, même jusqu'au pan de la robe. Le premier à recevoir cette gloire de Dieu, selon Actes chapitre 2, c'est Christ, afin que par lui nous soyons aussi béni de la même onction. Ah oui, comme le Père est un, a plusieurs membres,
Et comme tous les membres du corps, le nombre ne forme qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, Yuda, soit grec, atako soit esclave, atako soit ombo, libre, atako bansomi, et nous avons tous été abreuvés dans ce seul esprit pour former un seul corps. Bien-aimé, Balingami. Celui qui ne reçoit pas la parole, Oyo ayambili lobate. Celui qui n'obéit pas la parole, Oyo atosini lobate. Celui qui ne reçoit pas l'Esprit du Saint, Oyo ayambili molimo na koloté. Comme l'Église au commencement, Bela moko eklesa na ebandeli, ne fera pas partie de cette unité. Yea kozana bomoko yote. Et quand cette unité est faite, Te tango bomoko esalemi. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant. Je m'entends, amen. Nous devons nous efforcer de conserver. Dans l'autre version, il est vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Peut-on dire amen? Nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Car il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Peuple de Dieu. Remarquez dans l'Ancien Testament. Quand alors Moïse devrait préparer le matériel du temple, Dieu lui avait ordonné de faire un chandelier. Ce chandelier était fait d'une seule pièce. Dans le livre d'Exode 31, Dieu avait d'abord appelé un artisan de cette histoire. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Lis avec moi ça. Exode 31. C'est vraiment merveilleux ça. Au verset 1, il est écrit, le Seigneur parla à Moïse dit, sache que j'ai choisi Betsalel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 8, il fera la table. Et ses ustensiles, les chandeliers d'or pur et tous ses ustensiles. Dites amen. On donna à cet homme un bloc d'or. On lui dit, tu vas battre ce bloc d'or. Tu sortiras une seule pièce, pas collée. Pas collé. Il ne pouvait pas faire. Il va. Il colle. Non. Par la sagesse que Dieu t'a donnée. Avec le marteau de Dieu. Tu vas seulement battre l'or. Tu sors les vins. Tu sors les bras. Tu sors la mouchette. Tu sors la lame. Ça doit être sans coller. Or, quand nous allons dans l'Apocalypse, j'ai vu les mêmes chandeliers. Et Dieu lui dit, ces chandeliers, ce sont les sept églises. Donc l'église du Seigneur n'est constituée d'une seule pièce. C'est pourquoi ce que l'église était au commencement, c'est ce qu'elle doit être à la fin. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Ça, ce sont les dénominations. C'est pourquoi Paul dit, je vous exhorte à combattre. Je vous exhorte
à conserver l'unité de l'esprit. C'est pourquoi, bien aimé, ce même chandelier, cette même église, Zacharie l'a vu dans la dernière phase. Zacharie chapitre 4, l'écriture dit ceci. Oui. D'abord, il est écrit au verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis et je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout en or. Peuple de Dieu. L'église de Dieu dans la dernière phase sera une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu qui l'a promis est fidèle, il le fera. Comme Zacharie l'a vu, un chandelier tout en or surmonté d'un vase portant cette lampe avec cette conduite. Et là, au sommet du chandelier. Écoutez au verset 6. Alors il est repris et il me dit, c'est ici la parole que le Seigneur adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour eux. La parole de l'Éternel me fit adresser. Ce n'est ce qui est très important. Yoka. Les mains de Zorobabel, Zorobabel ont fondé cette maison. Et les mains de Zorobabel, et tu sauras les mêmes paroles que le Seigneur a dit dans Jean 17. Afin que le monde sache que tu m'as envoyé. En d'autres termes, cette unité, s'il n'est pas là, si l'église n'atteigne pas l'achèvement, donc le travail de Jésus est sans valeur. Dieu ne l'a pas envoyé pour quelque chose. Verset 10. Ceux qui méprisent les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Disons amen. Amen. J'ai lu la dernière écriture pour terminer. Pour que cette église arrive alors à cette unité, à cet éclat que Dieu attend. Dans Éphésiens le chapitre 4, où nous avons été là, Paul dit au verset 1, je vous exhorte, moi, les prisonniers dans le Seigneur, au verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant, que chacun de nous s'efforce. Dites amen. À conserver l'unité de l'esprit et pas le lien de la paix. Par cette écriture, qui est celui qui amène la division? C'est celui qui ne conserve pas l'unité. C'est lui qui ne garde pas. Allons un peu dans Romains chapitre 16. Baloma zomi na motoba. Que chacun de nous prenne garde. Prédicateur, diacre, qui qu'il soit. Femme ou homme. Croyant ou croyant. Voilà un avertissement. Je vous exhorte, verset 17. À prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Chaque division est accompagnée d'un scandale. Au préjudice de l'enseignement. Je ne connais pas bien Lingala, mais je ne sais pas si. J'aime. Il y a un mot très important là. Le préjudice, oui. Préjudice, c'est causer du tort. Mais c'est ça, justement.
Très bien. Donc celui qui amène les divisions, c'est celui qui cause premièrement le tort à l'enseignement et aux pratiques apostoliques. C'est pourquoi avant de faire quoi que ce soit dans l'église, même la plus petite chose, demandez-vous que dit l'écriture. Amen. Ne t'arrête pas sur un seul verset. Allez de verset en verset. Je crois que j'en parlais quelque part à Pointe-Noire. Un frère m'avait posé une question au sujet de ce qui doit être payé dans l'église. J'ai dit, la Bible dit, au sujet des prédicateurs, l'écriture dit, Dieu a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Et la Bible dit pour les anciens, ne miscelez pas le bœuf quand il fout le grain. Un ancien doit être jugé d'une double honneur. Alors il me pose la question, mais le diacre, je dis là, la Bible ne dit rien. Alors il mérite trop. Et la Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Allez dans l'Ancien Testament. Tous les Lévites ne travaillaient pas à l'hôtel. Les chantres n'étaient pas à l'hôtel. Les porteurs n'étaient pas à l'hôtel. Seuls les sacrificateurs, les fils d'Aaron, allaient à l'hôtel. C'est à elle que la Bible dit, celui-là qui travaille à l'hôtel, il peut manger à l'hôtel. Bien aimé, il n'y a aucune place pour l'interprétation de quoi que ce soit. Et si Capona Ndimbola est alité. Et sachez-le, un diacre n'a pas une place à la prédication. Diacre a une place à la prédication. Je m'entendre vos amens. L'écriture dit, choisissons des hommes qui s'occupent de cet emploi. Nous les apôtres, nous nous occupons à la parole et à la prédication. Je crois dans Branham Tabernacle, William Branham disait, un diacre ne peut pas dire à frère Neville ce qu'il doit prêcher. Sa place, c'est faire asseoir les gens afin que les prédicateurs viennent prêcher. À ceux qui causent des divisions et des scandales, en dérangeant l'enseignement que vous avez reçu, la Bible recommande, éloignez-vous d'eux. Où sont vos amens à ces paroles? Amen. Il y a des choses auxquelles Dieu nous dit de prier. Il y a des choses auxquelles il dit fuyez. Ici, il nous dit éloignez-vous. Quand c'est éloignez-vous, éloignez-vous. Ne vous approchez pas. Peut-on dire amen à ça? Amen. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais ils servent leur propre vent. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Voyez-vous là où l'unité est brisée? Quand quelqu'un dérange l'enseignement original, que le Seigneur laisse à ses apôtres, par lesquels nous devons être unis, bien aimés, la parole de la vérité unie, les interprétations divines. Je sais quand même l'histoire de la parole dans ce pays. Au début, tout au début, il n'y avait qu'une église dans chaque ville. Mais c'est lorsque les interprétations sont venues qu'on en voit de toutes couleurs. Et Éphésiens 4 où nous étions, il dit au verset 12,
Les uns, il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification. Du corps de Christ. Un véritable maçon. Il construit que quand tu as le matériel. Et voici le matériel de notre travail. C'est lui qui n'a pas des écritures. Il ne peut pas construire. Le fondement est l'unique. Pour que chaque mur tienne à l'édifice, il faut qu'il soit collé au fondement. Chaque prédication qui peut tenir est celle qui tient à ce que les apôtres ont enseigné. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Verset 16. C'est de lui. Et grâce. À tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et sanguis et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties s'édifie lui-même dans l'amour. Quand je suivais William Branham parler de cette affaire, William Branham cette texte, il disait ceci. Il dit, prenez une chaîne d'un moteur ou d'une moto. Toi, moteur, toi, moto. Chaque chaîne a des maillons. Mais si la chaîne est coupée, que vous voulez que la rentre dans sa rotation première, retournez les maillons comme celles qui étaient cassées. Si vous y remettez un autre maillot d'une autre matière, les chaînes tourneront. Arrivé à ces maillons-là, il y aura un blocage. De la même manière aujourd'hui, il explique, il dit, c'est la même chose avec l'église à la fin. L'église a été coupée par les loups de Paul. Par les loups que Paul avait. Quand Dieu maintenant vient pour que la chaîne tourne normalement, il doit retourner les maillons de la même nature. Peuple de Dieu, le message biblique du temps de la fin ne va une nouvelle religion. C'est le même message du commandement. En ce temps-là, la chaîne tournera sans qu'il y ait un blocage. Et c'est de cette manière qu'après chapitre 4, il y a le chapitre 5. C'est alors que Paul dit, là il voit une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais dire cette chose pour terminer. Vous remarquerez que ici, beaucoup de nos fidèles, de nos frères, ils disent, nous ne pouvons donner du respect qu'à William Branham. Ça, c'est ce que les tonneristes disent. Mais pas à Franck. Franck et les autres avec nous disent, nous ne pouvons respecter que Franck. Mais pas Georges, pas Antumba, pas tel. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur a un ordre. Vous ne pouvez pas l'enseigner de ce qu'il doit faire. Il fait ce qu'il veut. Et dans chaque ministère, il y a une suite. Mais remarquez les paroles du Seigneur. Dans Jean 13, il dit à ses disciples, c'est lui qui vous écoute. Il m'écoute. En d'autres termes, vous ne pouvez pas écouter William Branham bien.
si tu refuses d'écouter Evald Frank, Frank, et vous aussi, mais vous ne pouvez pas bien écouter ce Frank, frère Frank si vous n'écoutez pas ces hommes. Dieu avait-il perdu la tête? Pourquoi n'a-t-il pas dit? Celui qui m'écoute, il vous écoute. Mais il dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Quelque part, Chef Frank dit, à chaque ministère d'ordre international, il y a une suite. Il y a une suite. Et il ajoute, celui qui n'a pas bien compris la suite, il montre par là qu'il n'a pas compris le premier ministère. N'ignorez pas ceci. Dieu dit dans Matthieu 24, 45, le serviteur fidèle, Mohombo, et ça, Sembo, na boanya, et le maître, Oyo, Molakisi, a établi atie, likolo, na bayombo, na ye. Il a été établi bien sûr sur l'église, likolo, l'église, mais il a établi sur les autres ministères. Asi, atia ye, likolo, na bayombo, et dans 1 Corinthiens chapitre 4, l'écriture dit, ce qui est demandé à chacun des disciples, et pas ina, mote, moko, na moko, que chacun soit trouvé fidèle. Et te moko, na moko, azala, sembo. Nous ne devons pas prêcher Evald Frank. De côté il y a Evald Frank. Pas non plus William Branham. De côté il y a William Branham. Pas non plus un pasteur. De côté il y a pasteur. Mais nous prêchons Jésus Christ. De côté il y a Jésus Christ. Et chacun là où il est, qu'il reste fidèle. Pas fidèle au prophète. Pas fidèle à Frank. Frank. Mais fidèle à la parole. C'est mon aliloba. Que Dieu vous bénisse. Zambé à Pambola Bino. Nous allons chanter un cantique. Peut-être un couplet. Et nous allons prier. Petoko Sambel. Zambe tambo. Zambe atambo lisingai. Thank you.
Alléluia. Et nous allons ensemble lever nos voix vers le Seigneur. Nous avons entendu ces instructions de la parole de Dieu. Des fois, certaines choses sont dures à accepter. Si ces choses touchent à notre caractère personnel. Mais lorsque nous venons devant la parole, malgré nous, nous désirons que la parole de Dieu puisse nous dépouiller. Lorsque nous connaissons la vérité et nous recevons cette vérité, la vérité nous affranchit. Solo ekosiko la biso. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Ta parole, ces choses, Seigneur. C'est toi seul qui les a envoyés pour ton peuple. Nous prions, Seigneur, que tu nous visites, que tu accomplisses pour nous ta volonté. Nous voulons nous laisser dépouiller, Seigneur. Seigneur, que la gloire te revienne en tous. Nous voulons être amenés, Seigneur, au niveau où tout ce qui est de l'ordre divin soit accepté par mon cœur, Seigneur. Et je me laisse dépouiller. Être conduit par toi. Et je me laisse, Seigneur, et le maître de toutes circonstances. Sanctifié par la parole de vérité. Seigneur notre Dieu. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je veux pas être un ennemi, Seigneur. Et manifeste. Seigneur, je veux que l'esprit qui était en nous n'en avons point d'autre, Seigneur, au ciel. Que je dise toutefois par ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Dieu notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi seul, c'est le Père en moi. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis-nous, Seigneur. Fais-le aussi pour votre salut, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Parce que ça servira alors. Cette parole que nous avons entendue, Seigneur, nous prions que toi seul, Seigneur, puisse la rendre vivante dans nos cœurs. À toi la gloire et la puissance. Dans tous les siècles par Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Que gloire et honneur puissent te revenir. Je n'ai pas la capacité, Seigneur. Merci. La capacité de Dieu. Toi le seul vrai Dieu et le maître de toutes circonstances. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, Seigneur, tu le chantes. Voici, Seigneur, ta louange. M'abandonne à toi, Seigneur. Conduis-moi en route. Assiste-moi en route. Délivre-moi de tout ce qui a pu me faire de toute considération qui n'est pas la puissance de la mort. Et la gloire te revient en toutes choses. Dans le peur de gloire. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi. À toi la gloire et la puissance, notre Dieu. Révèle-toi maintenant dans le cœur de chacun. Manifeste-toi, Seigneur, comme le Dieu véritable, le Tout-Puissant. Nous te louons, nous te remercions, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Seigneur. Merci. Merci bien-aimé. Merci Seigneur. Merci. Que gloire. Nzambe tata na biso azana likolo. Dieu notre Père qui est au ciel. Totondi pe tokumisi kombo na yo. Nous te remercions et nous louons ton nom. Bolingo na yo epai na biso ezangi suka. Ton amour pour nous est sans fin. Nkolo yo belemi koya osepeli ete tozala na bomoko. Seigneur, toi tu es proche de rentrer et tu voudrais que nous soyons un.
Cette unité dans ta parole, dans ton esprit, et pourtant c'est toi-même qui baptises de ton esprit. Tu nous accordes de ton esprit pour construire un seul corps. Au nom de Jésus Christ, nous demandons que ceux-là qui ne sont pas encore entrés dans ton corps, qu'ils soient un comme toi et le Père, vous êtes un. Oh Dieu, c'est le temps de grâce. Tu avais dit que tu nous répondras à ce temps. Nous demandons à Jésus-Christ que nous soyons un comme toi avec le Père, vous êtes un. Tout mauvais esprit qui amène un mauvais enseignement pour la division, nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ soit tenu loin d'ici. Seigneur, fais que chacun de nous connaisse son semblable. Que chacun reconnaisse le don que tu nous as accordé. Que chacun de nous sache que nous sommes membres du corps. Un membre ne peut pas insulter l'autre. Parce que nous sommes un. S'il y a un membre qui souffre, tout le corps souffre. Et que si un membre est content, que l'ensemble soit content. Bénis tes envoyés qui ont prêché ici. Parce que ce sont les dons que tu leur as accordés. Bénis les dons que tu nous as donnés. Bénis leur ministère. Et bénis aussi notre communion d'aujourd'hui. Bénis tout celui qui a entendu. S'il était en dehors du corps, Seigneur, fais-le entrer dans le corps. Nous demandons que chacun de nous, que celui qui désire, qui voudrait qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, c'est toi qui baptises. Baptise-nous. Que nous entrons dans ton corps. Que nous soyons un. Et que nous écoutons la même parole. Que toutes les interprétations particulières soient tenues loin. Que tous les fonds soient connus. Que l'Église reçoive le discernement de l'Esprit. Afin que nous ayons la force de maintenir l'unité dans la foi. Bénis les prédicateurs de ce jour. Que ce soit mon frère Faustin. Que ce soit mon frère Capolo. Que soit notre frère Kati. Que soit nos frères à Kinshasa. À ceux-là que tu as donné l'esprit de faire cette histoire. Que cette unité, que ce ne soit pas encore une. Que ce ne soit pas que les gens qui sont réunis rencontrés. Que cet esprit soit dans ton corps. Bénis l'entendement de chacun de nous. Bénis le reste du programme. Si tu tardes encore, Seigneur, fais que cette parole s'accomplisse. Parce que c'est toi qui as prié que nous soyons un par le fait de la parole. Comme tu l'avais demandé. Nous acceptons que nous l'avons déjà reçu. Fais-nous que nous soyons un et nous te remercierons parce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.